Je dirais rien sur Zabou qui m'a volé mon mec, hein, mais bon. Je lis là, hein, en travers de la gorge. Mais Zabou qui veut se marier avec Arvandor. Mais comment on commence trop bien comme ça? Je me sens vide. Oh, Zabou, qu'est-ce qui va pas? J'aimerais épouser Arvandor. Qu'en pensez-vous? Lance-toi, Zabou. C'est l'endroit idéal pour faire ma demande en mariage. Oh my god. Au resto. Devrais-je me changer avant? Non, t'es très bien comme ça, tu slay de ouf, t'es juste pieds nus, mais vas-y, t'es bien comme ça. Je peux ne pas faire ma demande au bon moment. Pourriez-vous m'aider? Quand oh Arvandor god. Pense bon, à vous moi, arrivez sur un mariage, savoir, franchement, c'est beau, ça. S'il vous plaît. Pas de problème. Bon, mais je crois qu'Arvandor, il est juste en mode... C'est pas grave, Lolo. Je crois qu'Arvandor, il est juste en mode ok, c'est ok. Bon, faut qu'on fasse 4 fois, faut que j'appuie sur maintenant 4 fois. Quand il pense à Zabou. J'ai loupé une fois déjà. J'ai 3 vies, il y a les petits cœurs là, c'est les vies que j'ai. La vue est magnifique. Allez, je passe le dialogue aux F, on veut jouer. Il y a oui, et vous l'autre côté. Il y a Lolo en fond. Je crois que Lolo, t'es au resto avec moi. Lolo, on est en date au resto. Dolly, ça va, est-ce qu'elle est blonde, Dolly, donc on capte bien. Et si tu deuxième avais le fois. Choix entre la vue et moi, tu prendrais quoi? Ouh. Ça rigole pas. Le son est assez fort ou pas? Tu peux te venger? Non, je suis gentille, je vais me venger. Oui, c'est Demi. En fait, tu joues avec Demi. Tant mieux, parce que j'ai quelque chose à te dire. Si, moi, je suis... Ah, mais si, je suis con, ouais, je suis en couple avec Lolo. Bah si, je suis en couple avec Lolo, c'est vrai. Si je sors avec Lolo, j'avais oublié. Là, on est bien, là, franchement. Ça, c'est Clary Lux. Veux-tu m'épouser? Parfait. Parfait. Imagine, il dit non. Avec joie. Ah, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Bravo! Bravo! Bravo pour ces beaux mariages. Mais c'est que des couples, regardez. Il y a Linux et Roulia. J'adore. Alors, je vais vous expliquer le but du jeu. En fait, Tomodachi Life, je vais vous montrer. Là, si vous êtes arrivé sur un... on a commencé sur le moins compréhensible, je pense. Alors, attendez. On va devoir avoir le droit de... Voilà, le mariage. Pour expliquer, en gros, Tomodachi Life, c'est un immeuble. Et en fait, tu peux construire... Enfin, tu peux installer des mis. Un peu comme dans les Sims. Tu as un bâtiment et tu peux faire... dans ce logement, tu vas habiter... Enfin, telle personne va habiter. En l'occurrence, là, on a Arvandor à gauche et Zabou, qui est une viewer de chat, à droite. Et en fait, tu peux créer des relations amicales, tu peux les nourrir, tu peux leur donner des vêtements, ils peuvent faire des chansons. En fait, c'est vraiment genre une simulation de vie avec des mi. Et ça, c'est super drôle. C'est super drôle. Salut Sunflower, comment tu vas? Tu peux te marier, tu peux sortir avec des gens, tu peux divorcer, tu peux avoir des bébés, tu peux avoir des gigadramas, tu peux avoir des embrouilles... en lune de miel en Allemagne. J'aurais pas choisi ça, mais pourquoi pas. Et voici la porte de Brandebourg à Berlin. Allez. J'ai hâte de voir les enfants de Zabou avec des yeux tout petits et Arvandor son visage hyper allongé. J'ai hâte de voir. C'est la fiesta, t'as bien raison. Ça va très bien cette flower, merci. D'ailleurs, j'avais dit que je me mettrais plus sur Tomodachi Life. Mais que je me mettrais sous discussion quand je fais du Tomodachi, parce qu'en fait, Tomodachi Live, personne ne regarde la catégorie. Alors que discussion, les gens pourraient se rappeler. Elle est bien la photo, elle ferme les yeux. Et voici la vallée de Rhin. Zabou, qu'est-ce qu'elle fait avec ses yeux, là? Ah, elle fait un clin d'œil, je crois. À savoir pourquoi. Attendez, j'ai juste envie de me moucher. J'arrive, j'en ai pour 2 secondes. C'était merveilleux. Tenez, voici un souvenir pour vous. Attendez, là, elle vient vraiment me donner un débris du mur de Berlin, là. Il n'y a pas à voler des débris du mur comme ça, c'est terrible de faire ça. Vous allez continuer à vous occuper de... Ah, hein, c'est l'heure du B-Reel. Thank you, Shema, for the B-Reel. Tout le temps, on est en live quand il y a le B-Reel, hein. C'est fou, hein. Tout le temps, tout le temps. Magnifique. On va donner du métal à Zabou. Moi, j'adore donner des chansons pour faire des concerts. C'est l'heure du B-Reel. Les poils de chat, vraiment 0% quoi. Elle est en entente impossible avec Lox. Mais Zabou, regardez le nombre de potes qu'elle a. Elle a trop de potes, regardez-moi ça. Elle est meilleure amie avec Dreamy. Ah mais bonheur tout court. Zabou, elle a grave des potes. Elle a volé tous vos amis. C'est terrible, hein. Je vous fais un petit tour pour vous montrer un peu. Tous les mythes de cette île ont été réalisés avec des photos
soit de stars, soit d'inconnus sur Google, soit les photos de mes potes quand je connaissais leur visage, genre Dolly, Evoli, etc. Eux ont eu la chance d'avoir leur visage. Voici Annie Dingo, donc qui est Anne Hidalgo, avec son vrai visage. Voilà. On a Aphonique, on a Aquanobi, elle est terrible. Aquanobi, je suis encore désolée. Hein. On a Avo, je sais plus quel est le visage. On a Aksu, on a Lolo, on a Béranger, ils sont tous trop moches. On a Cam Cam. On a Charline. On a Charline Noutnout. On a Shay Malheureuse. Ça se voit, elle est malheureuse à son visage, regardez là. On a Shirachou. Shirachou, on l'a fait avec un homme de Cro-Magnon. Alors je trouve que le visage est vachement bien représenté. Nimap est exceptionnel. On a Clarelia. Clarelia Lux. On a moi. Ok. On a Dan. Dan, c'est un des pires, je pense. Il est affreux, genre. Il a une patate à la place du nez, genre. C'est, il est vraiment, mais immonde. C'est le visage de Amine m'a tué, si jamais. On a Dolly. Ensuite, on a Dreamy. On a Dreshen. On a O2, la pauvre. On a Evou. C'est son visage, la pauvre. On a Fluffy. Fluffy, elle est mignonne. Elle a de la chance. On a Gatien. Gatien qu'on a pris pour son grade également. On a Arvandor, qui est affreux également. Le pauvre. Il y a quand même pas mal de potes. On a Jicanari. Jicanari qui est Jean du Jardin. Enfin, tiens, une map. On a ensuite Johanna, qui a mon visage, donc elle slay. Mon visage, cette fois-ci, était beau. Pourquoi moi, elle était moche, je ne sais pas. On a Lowini. On a Luga. On a Lox. On a Linux. On a Maevu, avec le visage de Zendaya. Ça va, en vrai, elle est mignonne. Je trouve elle très mignonne. On a Mariana. On a Marvin. On a Nea Fana, qui ressemble plus à un cheval ou à un poisson qu'autre chose. Mais bon, elle est là. On a Nefert. On a Newtona. Newtona qui s'en sort... Bon, c'est le visage de Olivia Rodrigo quand même, hein. Ça c'est terrible. Et on a le plus beau de tous, Numap. Regardez sa dégaine. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en dire plus? Je ne sais pas. Et il a même pas de potes, je comprends pourquoi maintenant. On a ensuite Orion de Gaulle qui a le visage du général de Gaulle. On a Rock qui est... caché. Tenue vraiment superbe en tout cas. On a Roulia qui est en mode Hatsune Miku là. Très, très la vibe année 2010. On a Taiko qui a pris cher. On a Tiga qui est... comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. L'acteur là de Spider-Man ou je sais pas quoi là. J'ai oublié son nom. On a Sophia qui a vraiment pris hyper cher. Elle est dégueu. C'est Morgan Makeup son visage. Voilà. On a Voli. Voli ça va. On a Yuneo. On a Zabu. Zabu, on dirait vraiment une mamie coréenne ou chinoise ou que sais-je. C'est terrible, mais ça va, en vrai, c'est pas si horrible. C'est Yann Sommerhalder, son visage. Tom Holland, tout à fait, Tom Holland. On a Zorua. T'as enlevé ton masque aujourd'hui, Zorua, tiens. Et voilà, c'est le visage de Valérie D'Amido, si jamais. Voilà les personnages qui sont présents dans la... Dans cet endroit. J'ai pas trop en faire des persos parce que là, je trouve qu'on en a déjà beaucoup parce que j'arrive pas à les faire devenir amis. C'est horrible à quel point, genre, j'arrive pas à les faire devenir amis. Je pense qu'on refera des mi quand on aura réussi à faire, enfin, créer plus de relations amicales. On a encore trop de mi qui n'ont pas de relations et c'est un enfer. Plus il y a de mi, plus c'est galère en vrai. Donc on va attendre avant d'en refaire, je pense, des mi. Ouais, les tenues de golf là, allez hop, le tenue d'arbitre. On achète un peu tout et tout. On va regarder les chapeaux. Je referai plus tard, je pense. Pas maintenant. Mais je referai des mi plus tard. C'est terrible ça, ce petit chapeau de cowgirl là. Bonne fin de journée. Je veux pécho mon mi, mais normal, attends, franchement. Le jeu, ce jeu est le jeu de l'année. Il date de 2014, ouais, mais bonjour. C'est quand même le jeu de l'année. Des dates. Regardez, il y a du canard laqué, ça coûte 30 euros, c'est un peu cher. Des macarons. Des nouilles instantanées, ça c'est mon repas d'étudiante. À bientôt. Et dans les intérieurs. Et on va regarder les infos mi. Qui veut pas, sérieusement? Bah, je sais pas, franchement, bonne question. Oh, année 50. Année 50, ça? C'est pas année 50, ça, je suis désolée, c'est 70. Ils sont trompés là. Vas-y, Cristalina, en vrai. Non, Cristalana, putain, mais depuis tout à l'heure, je t'appelle Cristalina, ma pauvre, je te déforme ton pseudo de ouf. Je suis désolée. Je défonce ton pseudo. Marché du soir et après on regarde les infos. Oh putain, Morgan Makeup là, j'en sais plus. Charlie qui passe devant. Un ticket de caisse, merci. Nul à chier là.
panna cotta, c'est absolument pas rentable aujourd'hui. Le gros spook. Alors, voyons les infos, Mi. Merci de nous rejoindre pour l'édition de 5 heures des infos. Les infos. Un nouveau produit incroyable rejoint les rayons de votre supermarché préféré. Le gris pain classique, tel que nous le connaissons, fera-t-il bientôt partie du passé? Grâce au super gris pain 3000, vous pouvez dès maintenant griller de l'omelette. Elle est longue. Insérez l'omelette, attendez 3 minutes. C'est qui cette vipère déjà? Je sais plus qui c'est. C'est prêt. Dégustez de l'omelette à la texture délicieusement grillée. Écoutons les commentaires des passants. Coco Nesta, par exemple. Je ne devrais sûrement pas rire. Elle est trop vilaine. Elle est trop vilaine. Sa voix, je peux pas. Ah, c'était Aquanobi. Aquanobi G. Aquanobi G. C'était qui le visage qu'on avait pris pour Aquanobi? Purée, c'était la meuf là de... C'est comme ça que tu travailles, Nabila? C'était elle, je crois. Bon, alors, on n'a pas trop d'infos aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils ont un peu rien à foutre. On va quand même faire leur petite quête pour un peu les avancer. Oh, les souvenirs. T'y jouais? C'était incroyable. Une semaine est passée. Ah, désolé, je ne lui ai pas parlé depuis une semaine. JBG. C'est JDG, ouais. Gent. C'est JDG, oui. C'est comme ça que tu travailles, Nabila? Tenu pour vous remercier. Eh oui, de fou, Nejda. De ouf, de ouf. Il date de 2014, ce jeu-là. Il est... Ben non, 13 ans, t'avais pas 13 ans. Ah, ça faisait longtemps. Menteuse. La meuf qui est là, mode, oh, le fossile, là. Pas du tout. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je sais pas ce qu'elle a dit, mais tiens, prends du canard laqué, Shaima. Elle s'appelle Caroline. Ah, purée. Lou, qu'est-ce que tu fais chez moi? J'ai pas vu. C'est... Non, je crois que c'est vraiment 2014 le jeu. Hein. Je crois que c'est vraiment ça, Roulia. Il est... Par contre, il est sorti sur la DS avant, Nejda. Sur la DS, c'est la 3DS, mais il est sorti sur la DS aussi. La DS, j'ai jamais testé le jeu Tomodachi Life. Je crois qu'il est pas vraiment venu jusqu'à nous en soi. Un canard d'Italie ou quoi? Vraiment de ouf. J'avais 10 ans, PTDR. 2013, ils disent. Ok, my bad. Je pensais que c'était 2014 aussi. Ok, 2013. DS Japon Only, ouais, dommage. Hein. Mais il avait l'air pas mal aussi. J'aurais bien aimé le tester, en vrai, le jeu. C'est quoi? J'ai pas regardé, ça doit être une coupe de merde. Tinzorua, là, qu'est-ce que tu nous fais? Debout. Cette tenue, je l'adore. Salut à vous. Cool. Tu veux changer de tenue? Zorua, tu vas slayer comme ça. Tu vas grave être en... Ça va, mon Mii, là? J'étais plus jeune quand j'ai joué. Peut-être celui de la DS, peut-être. C'est fou. Bon, on va quand boire un verre, là? Bah, maintenant. Allez. Tomodachi Collection New Life. Salut. Et le jeu sur 3DS devait s'appeler Tomodachi Collection New Life. Oh my god. Tomodachi Collection. Ah. Je voudrais bien un panettone. Ok. J'en ai du panettone. Bah t'auras une saucisse. Salut Flo Flo. Je suis pas sûre du résultat mais bon. Rien à voir. Vraiment une saucisse c'est bien non? Tenez pour vous remercier. Baguette action. Collection. Collection. Neafana, t'as l'air de kiffer en tout cas. Petite saucisse là. Et t'as eu quoi avec ses tout petits yeux? On a tous des voix des enfers. Je suis quelqu'un de très sérieux. Faut que je sauvegarde. J'ai besoin de nouveaux vêtements. T'avais besoin de nouveaux vêtements. Putain, je peux plus. Faut que je sauvegarde après. J'ai peur que ça bug. Super, il adore. Taiko, la dégaine qu'il a par contre. Il a pris cher. C'est moi quand je veux regarder au tableau. Quand je veux regarder au tableau. Comment ça, au tableau? J'ai pas compris la question. Merde, je peux pas faire ça. Parfait comme pour une chanson. Comme non. La... Ah putain, mais je sais pas lire ou quoi? Salon Mi. Mais en fait, du map, non, parce que je prends que sur le stream. Des gens qui passent. Parce qu'en fait, justement, la dernière fois, on avait fait 100 Mi comme ça. Ils passaient pas, les gens. Donc en fait, ils prenaient la place de personnes qui étaient dans le chat et qui participaient au Live Tomodachi Life. Alors que eux n'étaient pas.
Enfin voilà, tu vois, qui passait pas. La myopie bilingue, mais vraiment. Oui, je suis perdu complet là. Je suis complètement perdu. Pas là quoi, ils étaient pas là quoi. Ils étaient juste pas là, ils venaient pas donc. Moi je veux bien les avoir dans ma partie, mais c'est mieux tu vois quand la personne vient. Parce qu'en fait ils prennent la place d'autres personnes qui sont là, tu vois. Donc c'était dommage. Le temps s'est brusquement refroidi. Bon alors là je m'attendais pas cette fois. Oh, il veut épouser Dolly. Putain mais Lox. J'ai envie d'éternuer mais je... Épouse-la en fait. Là aujourd'hui on peut avoir grave des mariages. J'y crois perso. Bon ça bug, l'écran du bas bug un peu, c'est normal. Sur le sur mon ça truc là, ça plante bien. Un peu. J'ai pas un capture board donc c'est pas fluide, mais on fait comme on peut. Éternuement. Merci. Un plutôt sympa, honteux. Désolé. Désolé Lolo, hein, mais c'est la vie qu'on mène. Hein. Oh, un billet d'avion, ça slay, ça slay. On truc. Aphonique, qu'est-ce qu'elle a? J'ai faim par contre, mon ventre il gargouille. Ai-je des amis? Je sais pas, Zorua. On peut regarder en vrai. Aujourd'hui. Bah, elle aime pas Morgan Makeup, je comprends. Ça c'est mignon, non? Elle a dit mignon. Merci pour le à boire. Ouais, mais une map, tu vois, il y a genre deux personnes à qui ça va servir. On l'avait enlevé parce que justement ça prenait de la place. Autant demander directement à la personne en privé, tu vois. Si tu veux l'inclure. En soi. On peut faire un tour si vous voulez. Des amitiés. Ça va prendre un peu de temps, mais on peut regarder. Moi, je suis amie avec qui? Premièrement. Est-ce que j'ai beaucoup de potes? Bienvenue. Oh! J'ai deux pages. Ça commence à remplir. Hein. Nefert, c'est pas très sympa. Arvandor, entente impossible. Mariana et Zabou, je m'entends très bien avec. Lox, très sympa. Lolo, on est en amour sincère. C'est quoi cette émote? Je voulais regarder Zorua qui avait demandé. T'es où Zorua? T'habites où? Merde, je voulais pas aller chez Luga. Oh, prédiction! N'hésitez pas à voter. Salut. Prédiction loto. Je vais pas te parler, Luga, désolé. Orion, Zorua. Est-ce que t'as des potes? Voyons. Salut à vous. T'en as beaucoup. Tiens, je te donne des croquettes de poisson. Relation pansement MDR. De ouf. T'as beaucoup d'amis. Hein. Charline, tu t'es fait une amie? Je crois, ou deux peut-être. J'en ai vraiment beaucoup. Ah ouais, c'est beaucoup, hein. La zinzinette du live. Charline, je crois que tu t'es fait des potes. Ah, oh, tu veux jouer, tu fais chier. J'aimerais bien jouer avec vous. Ah. Il s'agit de quoi? Tu t'es fait une pote, mais pas trop. Pas trop, apparemment. Vas-y, on joue, tu fais de la peine. Bref. Dommage. Bref. Avec moi une autre fois. Ok. Chat, t'as qu'une pote, moi j'en ai plein. Salut Dylan! Juste au Dacilla depuis deux jours, je joue Kevin, c'est vrai! Allez, venez, on joue un peu. On fait jamais les jeux là. Ah putain, ta voix elle est insupportable. Bref! Dommage! Oh non, c'est vrai! Super long quand ça veut se battre, j'ai l'impression. Je fais que perdre, ça y est. Tiens, maillez-vous. Si Mythopia, il était pas mal en vrai. Mythopia, c'est un peu le même bail. Hein. C'est avec des mi aussi. Oh non, pas ça, je vais devoir défoncer la DS. Mythopia, il était pas mal ce jeu aussi. C'est parti. Merci, Mademoiselle Bulle, pour le follow. J'espère que tu vas bien. Bravo. Les récompenses, bah, Flo, tu peux tester. Hein. Oh, un bonsaï. Oh, il y avait un lingot d'or! Je suis dégoûtée. Il y avait un lingot. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Non, mais t'inquiète, hein. C'est pas grave, hein. Tu peux. Tiens, Aksu, elle veut jouer. Shiraxu veut jouer. Bien jouer avec vous, Sosie de Kouen. Bon, par contre, vous deux, là, il s'agirait de s'épouser au bout d'un moment. Et je crois que Rock, il sort avec Mariana. Si j'ai pas de conneries. D'ailleurs, en nouveauté. Je viens de voir Rock, là. Qu'est-ce que c'est? Un ours en peluche. La réponse est... Un ours en peluche. J'espère avoir des amis, j'espère aussi. Oui, c'est vrai que moi, ouais, c'est ça, hein. Oui, Zoom, question 2. Qu'est-ce que c'est? Un champignon. La réponse est...
Slay. Un champignon. Oui, c'est arrivé hors stream, Zorua. C'est Shirachu, je crois, qui les a présentés qu'est-ce tous les deux. Et du coup, voilà. Putain, c'est quoi ? Un plat raté, ça ? C'est pas une omelette ? Une côtelette. Ah, super, la côtelette est dégueu. Fais chier. Dommage. Revenez jouer avec moi une autre fois. Putain, il est pas très sympa, hein, avec Aksu Rock, il a dit. Hein. C'est un Nefert, ça veut jouer. Nefert, ça me considère comment ? Moi, je la considère comme pas très sympa, elle me considère comme super sympa, c'est terrible en vrai. C'est une côtelette, bref. Qu'est-ce que c'est ? Du hareng ? Hareng. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Une quiche ? J'ai envie de quiche. Y'a pas à avoir envie de quiche en fait. De la quiche. De la quiche. Dernière question. Qu'est-ce que c'est ? Du jus de pomme ? Du jus de pomme. Du jus de pomme. Elle est terrible, Nefert, ça. Bravo. Nefert, c'est quoi le pécho quelqu'un là ? Ah, Rock, il a un problème. Je pense qu'il aime plus son, sa tenue. Salut. Mais Lolo, il est vraiment en mode... J'ai besoin de nouveaux vêtements. Ok. Si ils étaient chauds, ça serait parfait. Ah, s'ils étaient chauds, je lui donne un t-shirt. Jus de pomme, moi. Allô ? Faut qu'on lui change son masque aussi. J'en peux plus de le voir comme ça, le pauvre. Il me fait de la peine. Et vu qu'on lui donne tout le temps des trucs à la con, le jeu est là en mode, oui, c'est le mi préféré. Parce qu'on lui donne tous les trucs à la con, genre. Tu cliques sur les points de chaîne, Cardero, et t'as la prédiction qui va apparaître. Elle est pas encore finie, normalement. Il reste 5 minutes. Chapeau, tiens, ça pourrait passer avec la tenue, je pense. Le mariole du chat, mais je te jure. Littéralement. Alors, c'est pas la même couleur, mais vas-y, c'est mieux que rien. Lolo, il est très pote avec des blonds, hein. Mariana et Amé, là. Mais il a quand même pas... ils ont quand même pas mal de potes, hein. Ça commence à y aller, en vrai, hein. Oui, hey, mademoiselle Bulle de fou, 2013, hein, ça fait 10 ans. Plus de 10 ans, ça fait 11 ans. Salut. Oh, oh, tant impossible avec ma j'ai femme. De nouveaux vêtements. Purée, je le vis mal. Tiens, ma femme, je te donne ça. Ça te va pas du tout, mais vas-y, prends. Et c'est vrai qu'elle sort avec Tiga. Là, il y a pas mal de couples en vrai. On a deux couples mariés. On a deux couples mariés, donc ça veut dire deux couples qui peuvent faire des enfants potentiellement. Ça serait cool en vrai. Oh. Sophia qui veut une relation amicale. Toujours pas d'enfant, non. Toujours pas, toujours pas. J'imagine qu'il fait froid aussi, dans votre monde, non ? J'aimerais bien devenir... ami avec Gatien. Putain, Gatien, il va avoir Morgane Make-up en ami. La chance. Oui, Zabou, t'as loupé ton mariage ! Tu t'es mariée ! Tu t'es mariée. Au tout début, dès qu'on a lancé le jeu, t'étais mariée. Hop. Oh putain, le bruit de la maison. Ouais, avec Arvandor, ouais. Du coup. Bref. Ça bouffe. M'a piqué mon mec et après elle se marie avec. Attends, je vais te montrer. Enfin, je vais te montrer le résultat final, quoi. Vous avez votre maison. Je l'ai là, Zabou, hein. Ça passe pas, hein. Kaléidoscope. Entente impossible avec Linux. Ah bon. Bah, sympa, hein. Apparemment. T'habites où, Zabou ? T'habites au-dessus. Tu slay, hein, tu slay. Non, Déa, t'as rien loupé. T'as rien loupé. Je vous souhaite. Oh non, pas très fiable. Par contre, je crois que t'es la personne qui a le plus de potes, Zabou. T'as tellement de potes, genre. Voilà, et pouf, vous êtes mariée et femme. Tiens, je vais te donner à manger, Zabou, du canard laqué. Tu mérites bien pour ton mariage. Vous avez été en noces à... en Allemagne. Tu m'as ramené un morceau du mur de Berlin. Je suis bon. Elle ressemble vraiment à Ségolène Royal. Oh, grave, en vrai. Maintenant que tu le dis, j'avais jamais fait gaffe, mais ouais, un peu. Zabou, en fait, t'es Ségolène Royal. Le mix Zabou-Yann Sommerhalder, ça fait Ségolène Royal. C'est terrible. Néa Fanal. Bah tiens, Néa. Oh, mais j'ai Ségolène. J'avais oublié que le prénom Ségolène existait.
J'aimerais bien devenir... Ah oui, ami avec Cam Cam. Marrant. Merci pour... C'est qui c'est Tu connais pas c'est Golden Royale? C'était la... la meuf qui était en finale avec Nicolas Sarkozy pour être présidente. Si je peux être rapide et clair. Bah écoute, Mamzelle, nous ce qu'on a fait là, c'est qu'on a fait des personnages. En fait, on a équilibré. Il y avait plus de filles IRL qui voulaient être dans le jeu que de garçons. Du coup, on a créé des profils de garçons à la place. Et du coup, en gros, ça fait des couples lesbiennes. Voilà. J'ai plein de... J'ai plein de couples lesbiennes. Genre, Linux et Roulia sont lesbiennes dans le jeu. Ouais, elle était candidate, bah ouais. C'est ça, hein, elle était arrivée en finale contre Nicolas Sarkozy, si je dis pas de conneries. C'est ça, hein. Je suis pas là avec le ficello. Elle devient quoi, c'est Golden Royale d'ailleurs? Parce qu'elle date en vrai maintenant. C'était 2007, oui, c'est ça, hein. Que je me trompe pas, t'imagines la honte? Même pas du tout, c'était vraiment genre sa secrétaire. Ah bon? Vania, tu voulais jouer? Attends, on va sauvegarder, j'ai peur. On a des nouvelles amitiés, on sauvegarde. Oh, y'a un événement! Tout le monde est lesbienne, Rouleau. Je me suis dégagé avec la lumière de feu. Mais oui, de fou, faut bien, hein. Faut bien parce que bon. Ouais, 2007, c'est ça, ça date, hein, par contre. Tournoi de chaîne de mots. C'est quoi, ça? Chaîne de mots avec de la nourriture. Rock et Numap. Patate au beurre. Escalope panée. Vas-y, Nijda, bisous, bisous. Épi de maïs. Spaghetti au pin. Nulap, son gros corps. Spaghetti bolognaise. Épinard. C'est infini, ça? Moi, là, c'est la... La New 2DS XL édition Tomodachi Life. 10 séries. Dis-moi un nombre entre 1 et 10. Un nombre aléatoire entre 1 et 10 font 2. Vous entendez bien, mais c'est 2 qui gagnent. Bravo! Merci, Athena, pour ton follow. Non, c'est pas l'infini? Oui, c'est l'infini. Ah. Tarte aux pommes. Bravo à ceux qui ont voté 2. Là, ça se laye, non? Saumon à la manière. Expresso. Aurore, elle se fait genre du presque 40 000 points de chaîne, putain. Aurore, tu slay. Ça se tonks. Salade. Bon, c'est long là, vos trucs, hein. Eau du robinet, j'en peux plus. Ça, c'est pas, c'est pas le tournoi de rap, là? Il y en a un qui perd, ok. Salut à vous. C'était un peu long, hein. Amoureuse Roulia. Amour mesuré. J'ai faim. Ouh, je pense qu'il y a moyen que ce couple rompe. C'est possible qu'elle se dise oh non. C'est possible qu'elle se quitte. On est saine. On va regarder toi comment tu le vis. Rouleau, allez voir ailleurs. C'est pas tout à fait ça. Putain, notre premier couple lesbienne, Yvan, ça va pas. Fais chier. T'es trop seul, les râteaux. Oh, on s'en est pris des râteaux déjà, nous. C'est terrible, c'est terrible. Tiens, Rouli, on va regarder comment tu vas. Salut. Grand amour. Oh, c'est terrible. C'est terrible, elle t'aime pas pareil, hein. Rouli a mi-cou. On était en train d'écrire une chanson de métal la dernière fois. On n'avait pas pu la faire. Linux, si je te croise. Et si on jouait un peu pendant que vous êtes là? Tu connaissais les angles. Mais de fou, de fou. Vas-y, vas-y, Roulia, on joue. Oui, Zoom, question 1. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un stéthoscope. La réponse est... C'est Evo qui va voir ailleurs, du coup. Aïe, aïe, aïe. Sauvegarde, on écrit la chanson de métal. Attends, on fait déjà les quêtes, enfin les trucs. Qu'est-ce que c'est? La réponse est... Une puce électronique. Oui, Zoom. Random. Dernière question. Qu'est-ce que c'est? Poupée russe. La réponse est... Des poupées russes. Cette forêt, c'est fait... Ouais, de fou, par contre, ouais, les mémories, là, laissent tomber. J'ai fait la dernière fois, je l'ai battu.
Mais c'est grâce au chat, hein, sinon je l'avais pas. Le chat avait ramassé, t'es rappelé. Oh, un Virtual Boy, ça vaut la peau du cul, ça, non? Oh, je veux un pote. Ou à moins que je veux créer un couple. Salut. J'aimerais partir en vacances avec Eliam. Oh lolo, on part en vacances. C'est l'amour, c'est l'amour. C'est pour moi, vraiment. Dans ce cas, j'y vais. On part en vacances avec Lolo au Pérou. Oh lolo, ça va nous renforcer notre amour, ça, Lolo. Hein. Ici, c'est le col de la Raya. Un petit sourire. La musique, j'adore. Attends, avec ma tenue, là. Derrière, c'est le Machu Picchu. J'aimerais trop y aller, partout. Ça, c'est un truc qui m'intéresse de fou à voir aussi. Voici le célèbre le sourire. De Lolo, il peut pas sourire. Un petit sourire. Lolo peut pas sourire, il est vraiment pas content, genre. Toujours je ferme les yeux, ouais, c'est pas fou. Merci Lucien pour ton follow. Ah, je me suis bien amusée. Voici un petit souvenir. Une flûte de pan, merci. Est-ce que ça a renforcé nos liens et que je veux t'épouser maintenant? Non. Désolée. On va faire le problème de Maïvo. Un panda qui slide de ouf. On va sauvegarder, on va faire la chanson de métal quand même après. J'ai besoin de nouveaux vêtements. Je lui donne vraiment un truc aléatoire là. À chaque fois, ouais, les musiques elles sont sympas. Hein. Déjà, grand amour, tu peux te marier. Ah, tu peux quand même. Bon appétit, mademoiselle Bulle. Mademoiselle Bulle. My bad. Bon appétit. Lolo, il veut peut-être t'épouser, je sais pas. Vous pensez qu'il veut peut-être m'épouser? On va regarder. Oh, attendez, d'abord on a Lowini qui a une relation amicale en cours. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Salut. Zabou, on t'entend pas. Je ne connais pas très bien Brichéan. Pensez-vous que nous pourrions nous en... Oui. Ah oui, ça... Mais ça c'est nul les questions là, parce que du coup, elle l'a pas en ami. Va demander en ami, je sais pas. Lolo. Lolo, il est au parc d'attraction. Couple goal, vraiment. Amour fou, je vais l'épouser, c'est mariage. Oh, Lolo, il va m'épouser! Je peux être la personne qui veut marier. Je sais pas si on peut choisir quelqu'un, genre. Après, tu pourras l'officialiser dans le chat si tu veux, pas de soucis. On sauvegarde et on fait une petite chanson de métal. On voulait faire ça la dernière fois, on n'avait pas pu le faire. Voilà, je l'avais dit. Lolo, il veut m'épouser! Oh my god! Je suis honorée, franchement, que Lolo, tu veuilles m'épouser. Attendez, on a un... Attendez. Ça, c'est toujours important. Je peux pas passer à côté parce que c'est hyper important, les relations sociales dans ce jeu. Salut. Ouais, c'est pas spécialement ça. J'aimerais qu'on parte en voyage rien que tous les deux. Mais c'est une vanne ou quoi? Elle nous copie, là. Qui, moi? C'est pour moi. Ou Yuneo et toi? Dans ce cas, j'y vais. J'ai resté malade. T'as raté... Enfin, je sais pas, t'étais là pour le mariage de Zabou? Putain, elle nous copie! Là, c'est une grande cataracte. Une cataracte? Cataracte? Mais une cataracte, c'est pas le truc des yeux, là? Là, c'est un panda. Un petit sourire. Tout le monde ferme les yeux, j'en bouge plus sur ces photos. C'est la vallée de Jiujiaigo. Ah, ça a l'air super joli, par contre. Un petit sourire. Clairement loupé, la photo! Qu'est-ce que... Ah, Yuneo, tiens! T'es en voyage en Chine? T'aimes bien? Ah, je me suis bien amusée. Ouais, vraiment, du Google Images. Un petit souvenir. Oh, tu me donnes une petite peluche de panda et vous, trop mignonne! J'étais en langue depuis tout à l'heure, non, Yuneo? Tiens, du métal et vous, tu pourras chanter avec nous. J'aime tout le monde du métal. On n'a pas fait le métal, c'est fou en vrai. On a tout fait sauf le métal. Grand bonheur avec Yuneo. On a rien d'autre. Ok, métal. Attendez, je sauvegarde. La pop, les chansons. Bah, j'aime bien, moi, le... La... Purée, je sais pas comment elle s'appelle. Faut que je regarde. On avait créé le groupe et tout, mais du coup, bah, il était un peu cassé, quoi. Envoyer, chanter en groupe, créer ou modifier un groupe, créer un groupe. Et on avait dit... Alors... Le bleu.
vais pas mettre plus. Alors attendez, on va composer judicieusement le groupe. Alors Zorua, Zorua t'es là, Linux, Linux t'arrive, je te mets aussi dans le groupe. Est-ce que Shema est là, Shema est là, je vais mettre Shema. Béranger il est là ou pas? J'ai pas vu passer. Ok, comme ça on va vous faire votre groupe. Linux faut qu'on parle, ouais. Tiens, Roulia qui slay. On va mettre Néa, qui était là juste avant. Est-ce que j'ai un style de musique? Je crois pas que t'aies de musique. Est-ce que t'es pas dans la liste? Et Louga, t'es pas non plus dedans. Je crois que t'as pas de chanson. On va mettre Marvin. J'ai qu'à Marvin avant. On va mettre Zabou. Et vas-y, on met Rock parce que Rock, c'est notre chanteur principal. Ah bah on peut pas. Allez. Et ce sera Metal. Le nom du groupe. Sympa, non? Salut Billy, ça va et toi? La tenue, elle est parfaite pour le métal. C'est terrible. Allez, préparez-vous, on va écrire une chanson ensemble pour Metal. Qui fait jouer du métal. Flamme de l'espoir. Comment s'appellera la musique? On peut l'appeler Grosse Ambiance. Grosse ambiance. Oh putain, j'ai... Grosse ambulance. Allez, ce sera ambulance. Moi seul et téméraire, il faut qu'on remplace. Moi seul et facochère. Facochère. Les paroles, elles sont en haut sur l'écran, si vous voulez. Proposez-moi pour la plus grande phrase, là. La phrase 2. Facochère. Comment t'écris facochère? Faco. Cher, pourquoi je galère à écrire? Roninux. J'aime les coin-coins et les subs. Allez. J'aime, je vais faire pipi. Les coin-coins et les subs. Random, vraiment. Oula, et les sub. La litière. Mais t'as un problème, Louga, avec les chats. Hein. Le caca qui colle au cul. Mais wesh, vos phrases. Elles... Face aux inzoliens. Aux inzoliens. On écrit la chanson. C'est une récite fanfreluche. Fanfreluche. Un fini caca, vous saoulez. Un caclon. Mais stop avec la... Avec une raclette. Allez, je fais honneur à Yorvin. Yes! Il s'est fait dégager par le bot. Mes 100 pommes de terre. Mes 100 pommes de terre. Ça, c'est terrible. Sur mon fessier, c'est quoi ces paroles de chanson de base, là? Nout nout. Verrière. Verrière. Petit con. Sale petit con. Ça va passer en plus, c'est terrible. Ma viande gelée. Ma viande gelée. Allez, on chante. Grosse ambulance. Dansez, dansez, dansez. Queen Deathfloor.
savez, faites attention. Vous aimez quoi, quoi, c'est moi qui chante. C'est la face aux insomnies. C'est vrai, c'est fort chronique. Avec lui, raquette. Mais sans pomme de lait. Ça peut dire. Je réchauffe ma viande gelée. On comprend rien, moi. C'est terrible. Une voix si grave. Je pensais qu'ils avaient tous chanté, mais il y a juste... Coucou Yuzuna. Attendez, on va juste échanger. On va mettre qui? On va mettre Niafana, tiens. Attendez, on refait. Est-ce qu'on va mieux comprendre? Au secours, le prestat. Moi, ça les fait toucher. Ah, c'est mieux. J'aime les voix, toi et les cils. C'est la fesse aux insomnies. C'est vrai, c'est fort chronique. Avec une raquette. Mais sans pomme de lait. Sale petit con. Je réchauffe ma viande gelée. Ah, les insultes à toi, elle est violente la musique, hein. C'est un son très émouvant, merci Liliok. Ouais, merci. Je me doute bien, ça doit vous toucher au plus profond de votre cœur, en effet. J'allais faire pipi, je vais vous mettre devant un autre concert qu'on avait fait pour vous faire découvrir un peu les beautés qu'on avait fait. C'est très métal après tout, c'est vrai, tout à fait, tout à fait. On va aller voir le concert. Oh putain, c'est vrai, il y avait ça. Bah c'est encore Zeruya qui chante. Je vais faire pipi, je vous laisse avec ça. Ici c'est la physique quantique. Mais pour le moment je suis là. Belle est ta porte. J'ai un cœur phare dans mon âme. Vous êtes ça. Moi je vais être là. Et des bonnes têtes. Je n'ai pas de la dynamique. Personne n'avait le sien. Mais quelle belle prestation! On va écouter Morgan Makeup. Elle était bien celle-ci, elle était... En vrai franchement elle est cool. Sophia, c'est ta chanson, c'est la chanson de Morgan Makeup. Tu t'es fait un nouvel ami je crois. Oh là là. Attends, le chien il tourne bien. Mon chat aussi, avec ma carbonara. Ah, j'avais oublié. C'est vrai qu'il y a ça. C'est ma musique de ouf. Elle est sublime cette chanson, elle est sublime, hein. Il faut dire ce qu'il est. La stralala. Ça c'était quoi? Oh putain, c'était Lox qui dit il me faut des serviettes, j'ai mes ragnanas, je sais pas quoi là, attendez. Oh non, Phoenix. J'ai mes ragnanas. Il faut des serviettes. Lox qui dit j'ai mes ragnanas. Rock Balboa. Bonsoir, bonsoir. Random, mais random. En fausse, moi je dis grosse folle, bien sûr, qui d'autre? Et après, on les avait pas refaites. Ça, c'est vraiment la comédie musicale random, quoi. L'amour vrai au micro-prout. Rock en banane. As-tu déjà vraiment aimé? As-tu essayé? Ça, c'est les paroles de base. Pas une boisson au cola, ou même une pizza. Pour aimer, il faut danser. Shabada bada bada bada. Le jazz de coca. Il est une salle, ne danse pas. Danse avec moi. Tu ne le regretteras pas. Shabada bada bada.
Pour tuer qui, Shabada Bada Bada? Terrible. Bravo pour cette performance, encore une fois, c'était superbe. C'était superbe. Oh, on a un cœur! Aksu! Aksu! Aksu veut épouser Marvin! Oh my god! Mais pourriez-vous me laisser tranquille? Attendez, je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder. Oh, let's go, Hazel! Ah, il est vraiment trop bien ce jeu. On sauvegarde, on sauvegarde. Diantre, Marvin est présent! Aksu ne l'est pas, mais. Oh my god. Et là? Attends, attends, attends. En fait, j'ai un petit souci. Oui? J'aimerais épouser Marvin. Qu'en pensez-vous? Pas tout de suite. C'est l'endroit idéal pour faire ma demande en mariage. Marvin, tu veux qu'elle te demande où en mariage? Au feu d'artifice, quai de la gare, parc d'attraction ou resto? Choisis. Larvid! Larvid! Quai de gare, c'est drôle. Allez. Devrais-je me changer avant? Non, j'ai peur de bien. Ne pas faire ma demande au bon moment. T'inquiète, Aksu. Quand Marvin pense à moi, faites-le moi savoir. Oui. S'il vous plaît. Pas de soucis, ma belle. Bon, je vais aller faire ma demande en mariage. On va avoir trois couples mariés. J'ai passé un excellent moment aujourd'hui. Oh, Marvin, j'ai oublié, t'as des gaines. Moi aussi. Mais Zorua derrière. Ah merde, c'était elle, je croyais que c'était Zorua à la photo. Je suis la petite de devoir rentrer le temps. Hein? Je ne t'ai pas entendu. Merci Asmatique pour ton follow, merde. Où? Non? Rien. Putain, le train de merde. Il a pensé tellement rapidement à elle. Servant d'or. Je stresse, le cœur il me fait stresser. Je suis un peu triste à l'idée de devoir rentrer maintenant. Tout va bien. J'espionne des coupes vu que j'ai pas d'amis. Oui, moi aussi. Non, mais vous inquiétez pas, on va gérer, on va gérer. C'est super stressant, Dylan, de ouf. J'ai eu peur, j'ai eu super peur. On est sur Phasmo ou vraiment c'est un screamer le machin. J'aurais bien aimé qu'on reste un peu plus longtemps ensemble. Et Taiko derrière. Oui, moi aussi. Pas moi. Phasmo. Allez. Plus que deux. En fait, je voulais te demander quelque chose. Je stresse de ouf. Ouais donc. Dolly, ma femme. Veux-tu bien m'épouser? Avec joie. Non. Applaudissez le chat. Bravo. Ah, y a Cam. Y a Linux. Bravo. Bravo. C'est le moment venu. Bravo. Bravo. Bravo tout le monde. Tout s'est bien passé. Merci. Ah, la lune de miel. Voyons donc. Remerciements. La musique est bien premier degré au fond. Oh, bravo. Bravo. Merci, bon, Tukali, Edescope me fait plaisir. Mariage. Oh my god. Wow. C'est beau. Wow. Bravo. Très beau mariage, très très beau mariage. Il y a Roulia, vraiment, on peut pas la louper. Ses cheveux bleus. C'est beau la mur. Oh, la musique qui bug. Deuxième mariage de la journée. Non mais là c'est vraiment la saison des mariages hein. C'est magnifique les gars. C'est magnifique ce qui est en train de se passer. On apprécie ce qui se passe. En Australie. La chance. Et voici l'opéra de Sydney. Trop sérieux. La musique. Ah, ça représente l'Australie, derrière, la musique. C'est ailleurs rock. Mais putain, mais partout rock, c'est fou. Merci de vous d'avoir ton follow.
Les photos sont toutes là, dans les yeux fermés. C'est un koala. Un petit sourire. Ouais, de fou. Mais toujours elle ferme les yeux, c'est fou, hein. C'est dangereux, ouais, c'est grave dangereux. Ils vont revenir avec des migales, des veuves noires et tout dans leur sac, là. C'était merveilleux. Tenez, voici un souvenir pour vous. D'animaux weird, de ouf. Elle me ramène un panneau australien. Vous allez continuer à... Elle a ramassé le panneau. Terrible. Le ciné, bah ouais, bah c'était en 2013, tu sais. Terrible. Pas très sympa, j'ai oublié. Y'a pas de panneau. Bah là, y'en a plus du panneau. Hein. Tiens, Dreamy, qu'est-ce qu'elle a? Y'a pas de panneau. Bonsoir. C'est vrai qu'elle sort avec Annie Dingo, Dreamy. Je pense avoir un lien assez fort avec Annie Dingo. Qu'en pensez-vous? Bah ouais. C'est ce que je... Elle était en quoi? Nouveau mariage. Ouais, Linux. J'y recoupe vraiment la pauvre. Salut Artistica, comment ça va? Amour fou, ça y est, ça glow up un peu. Ça glow up un peu. Allez, on va regarder quels sont les pros. Grosse ambiance ici. J'ai un ami, oui. J'ai faim. Ok, prends à manger. On nourrit. On rattrape la snap dans le groupe. Ma femme, j'ai vu que t'avais grave spammé des messages et tout. Ma femme, je te ferai les réactions en direct en mode... Oh. Tu boutes. Bah alors, Linux, on essaye de se rattraper. Oh non, Artistica. J'espère que ça va vite aller mieux quand même. Il y a des périodes comme ça. Hein. Futur mari, bah ouais. J'espère que ça ira vite mieux en tout cas. Moi, ça va bien, merci. Mais j'adore les scènes de Dolly, elle m'invite à un repas de famille. J'ai besoin de nouveaux vêtements. Mais Shaima, Shaima, vas-y, tiens, prends un costume horrible, là. Tu vas être en mode... Ah, j'ai pas hâte, alors. Linux, Drag Race, ce soir. Y'a pas à faire ça. Après le stream. Bonsoir. C'est trop de faire ça. Oui, oui, c'est des viewers. J'ai faim. C'est encore plus drôle. Tiens, mange des lasagnes. Ça, c'est Charline. Tout. J'ai Doom et Sora sur mon île. Pourquoi? Je ne sais pas, Lolo. Vous en êtes où? Oh, saison 2. Je suis complètement indignée par la fin de l'épisode 4 de la saison 2. Je suis révoltée. J'avais envie de tout péter, j'avais envie d'arrêter de regarder. La dernière élimination là, de l'épisode 4, ça va pas du tout. Je suis vraiment pas du tout d'accord. Du tout, du tout. Mais bref, n'en parlons pas. Ça va me... Tenez, pour vous remercier. Bref. J'ai de la conteneur. On se sait, mais je... Bref, bref. Bref. En mode baston, giga baston, là. T'es pas prête, non, mais... J'ai même pas envie de savoir. Ah putain, la lutte, j'en peux plus. Attention. D'ailleurs, faut qu'on regarde comment Mariana allait avec Rock, là. Si c'est en mode bien ou pas. Oh, du map, à l'aide. Bravo. Oh, un peu pénible. J'en donne un des trois. Oh non. Pourquoi y a rien qui va pour lui? Il s'est déjà fait recaler deux fois. Il a eu des rancœurs, c'est trop mal passé et tout. Là maintenant, il est un peu pénible. Mais c'est dingue. Putain, mais le pauvre Rock, quoi. C'est terrible ce qui lui arrive dans cette partie. C'est vraiment le moins gâté, quoi. Putain, Mariana. Vous pouvez me donner quelque chose à dire quand je... Un peu pénible. Ça veut dire qu'ils vont se séparer, non? Mais c'est terrible ce qui se passe, hein. Il va finir tout seul, de ouf. Oui, j'ai vu ça, Marvin, incroyable. J'ai vu tout à l'heure un extrait, je crois que ça devait être le talent show, je ne sais pas quoi. Mais Rock, je suis désolée. Merci GamesDrew pour le follow. Je suis désolée, hein, terriblement désolée, Rock, mais là, il n'y a rien qui va pour toi. Hein.
Ok, on va aller regarder un peu les... ceux qui sont un peu de leur côté. On n'a pas fait de Raishon, est-ce qu'il y a un truc? Merci Zeria pour ton follow. Me spoilez pas. Ouais, spoilez pas, dites rien. Bienvenue. Ok. Pour mes pauvres rocs, non mais c'est terrible, je vous jure. Je trouve ça fou qu'ils se fassent genre malmener de la sorte. Vive Spook, bien dit, bien dit. Ah, t'es là? Chapeau, chapeau! Bonsoir. Mariana, là, je sais pas ce qu'elle nous fait, mais... Aïe, 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 aïe. Ouais, j'ai vu, le gars, mais Rock est là, donc il l'a vu. C'est si horrible. En fait, elle te trouve un peu pénible, quoi. Et en général, quand t'es en couple avec quelqu'un qui te trouve un peu pénible, c'est que ça finit sur une séparation, quoi. Et toi, tu la trouves comment, Mariana? On va voir à tout moment, tu la trouves genre archi casse-couille, genre, attends. Tu la trouves comment, Mariana? Bonsoir. Ça va, toi, t'es en mode... sur une jauge de 1 à 10, t'es à 5, genre, avec Mariana. Par contre, Mariana, elle est dans la même couleur que pas très sympa. Donc, en fait, Mariana, elle te considère à genre... Attends, y'a combien? 1, 2... 3, 4, 5, 6... Je crois qu'il y a genre... 6 trucs. T'es à 1. J'ai plein de potes, c'est cool. Ouais, t'as beaucoup d'amis, par contre. Mais ça va, en vrai. Tu t'entends bien avec genre le sympa, la couleur sympa, et au-dessus, c'est bien. Et en dessous, c'est ça va pas. T'as plus de non-potes que... Enfin, des gens que t'aimes pas. T'as plus de gens que t'aimes pas qu'autre chose, mais bon. Allez, Aquanobi, on va jouer avec toi, parce que ça a l'air un peu excessif. Si on jouait un peu ensemble. Il y a Lime Vera, peut-être, ouais. Oui, Zoom. Question. Ah putain, elle est longue, Aquanobi, par contre. Qu'est-ce que c'est? Une cuillère en bois. Qu'est-ce que c'est? Un gland. Des frites. J'ai envie de frites, putain. Des frites. C'est fou, hein. Quizou. Qu'est-ce que c'est? La réponse. Jambon asperge, ça. Du jambon et asperge. Merci à vous pour le à boire. Non mais y a pas de... ils sont pas mariés, ils sortent juste ensemble. Ils sont pas mariés. C'est quoi ce kiss what the fuck? Ah mais c'est tout le temps comme ça dans ce jeu. Ça n'a aucun sens en fait. Tiens Dan, hein. Putain mais regarde Dan. Regarde Rock Dan. Comment il est horrible. Bonsoir. Il a deux amis en plus. J'ai envie d'un nouveau chapeau. Pas de soucis ma belle. Prends ce bonnet. Il est trop moche, je te jure, il me fait trop peur, Dan. Je pense que c'est le mi le plus moche de toute l'île, genre. Il est vraiment horrible, genre. Il a vraiment rien, le pauvre. Tiens, Charline, note. Charline, note. Jouez avec moi, ok? Pas de soucis, ma belle. Oui, zoom. Question. Qu'est-ce que c'est? Ah, putain. Une salade de crème. C'est quoi ça, Lolo? C'est le chat, vous savez ce que c'est ça? Chat, c'est quoi? Des roll mops? C'est quoi les roll mops? Ma femme! C'est la salade de crevettes? Ok. Nous approchons du badge trèfle. Ma mère! C'est quoi les roll mops? Question 2. Qu'est-ce que c'est? Une crème brûlée, la ça. Réponse est... Oui! Elle donne brûlée. Faim, par contre. Elle oui, donne un peu faim. Dernière question. J'ai envie de manger. Qu'est-ce que j'ai c'est? J'ai trop faim. Cheesecake, une crème pâtissière. Putain, c'est un cheesecake, j'ai pété un câble. Putain, Charline, note-nous! Venez jouer avec moi une autre fois. Merci, ma femme, pour tes 100 bits! C'est Lolo, la crème brûlée. La crème brûlée. Ma femme, si j'ai envie de la manger, c'est plus toi que j'ai envie de manger, mais bref. Bref. Tiens, Linux, on va t'appeler. Merci ma femme pour tes bits. N'hésitez pas à mettre les points d'exclamation bits ou les émotes de bits évidemment. Du PQ en cadeau autour de la chance, ouais grave. Bien les bonsoirs. Roulia, la tête qu'elle a. Amour mesuré, ouais c'est ça. Hein. J'aime beaucoup partager des potas avec mes amis. Oh Linux. Tiens mange des fruits de mer. Change-moi pitié, mais t'aimes pas? Ma femme arrête de me draguer comme ça. OMG ma femme, mange-moi, t'es pas ma femme pour rien et normalement j'ai le badge trèfle. Ouais ma
femme. Bravo, ma femme. Fais voir le badge de trèfle. Fais voir. Dis que mamie... Attends, faut que je regarde, je sais pas. Je me rappelle plus. Swag. Trop swag. Oh, ma femme, il est mignon. Ma femme, t'es mignonne, hein. Mon badge modo, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, bon, le badge de first, il est vraiment terrible. J'ai découvert qu'on pouvait le dégager dans tes paramètres. Voilà tes amis, Sophia. Info, qui tu t'entends bien, Gatien et Linux, et qui tu t'entends pas du tout. Slay. Le trèfle est pas à côté du badge modo, ouais. First dans ton cœur, normal, ma femme, j'ai envie de te dire. Tiens, The Rua. Oh, c'est impossible, vraiment pas possible de jouer. De s'aimer. De jouer. Ok, je joue. Bah, elles sont pas femmes pour rien. Bah, on n'est pas femmes pour rien. Oui, silhouette. Qui, silhouette de chapeau. Mais c'est quoi ce machin là? C'est pire que ça. C'est une tête de cheval, c'est une vanne. Y a, attendez, il y a ça dans le jeu, il y a une tête de cheval. Mais Rock, il va la prendre direct. Il y a une tête de cheval dans le jeu. Mais quoi? On va la mettre à Rock direct. Quand on l'aura. C'est quoi ça? Chapeau cloche ou chapeau melon? Chapeau cloche, non? T'inquiète, Rock. C'est cloche. La réponse est... un chapeau cloche. Heureusement que je vous écoute pas, hein. Merci, Liloc. Qu'est-ce que c'est? Une barrette de crâne, ça. La réponse est... une barrette de crâne. Salut, Margot, ça va très bien, et toi? Comment tu vas? Bravo. Je vous en donne. Oh, sac à dos. Oh, c'est mieux que la couche sale. Mais c'est un cobaye. L'essayer d'être un cobaye, il est bien. Ouais. Barrette crabe. Bah, bien sûr. Mais Aquanobi, elle a pas d'amis, purée. Mais pourquoi? Peut-être parce qu'elle ressemble trop à un alien. J'ai faim. C'est parce qu'elle est trop lente, la peau. Non, c'est une très bonne partie aujourd'hui, forcément, sur Tomodachi, là. On va même sauvegarder parce que je pense qu'on a bien. Elle a bien aimé les lasagnes, hein, en même temps, normal, j'ai envie de te dire. C'est il, pas elle. Ah bon? Ah non, mais c'est parce que le mi, c'est un mec. Soup sur la bouffe. Bah écoute, Jikanari, ça va, ça va. Je crois que tu n'as pas fait de drama. Tiens, on va aller voir comment ton personnage va, Jikanari. T'es où? T'es chez BRG, qu'est-ce que tu squattes chez lui comme ça, là, Zanzine? Ton perso, genre du jardin, franchement, c'est vraiment ça, quoi. J'avais oublié que t'étais un mec, Jikanari. Sosie de Cohen, ça faisait un bail. Tu t'entends pas du tout avec Charles de Gaulle, je comprends pas pourquoi. Orion Charles de Gaulle. T'as faim, Jikanari? Tu veux des escalopes panées? On dit pas non. Jikanari du jardin, vraiment. Franchement, on le reconnaît un peu, je trouve. Merci, Chacha, pour ton follow. On le reconnaît un peu, je trouve, quand même. Ça va nous faire de la comédie musicale. On a tout fait les styles, c'est dommage, en vrai. C'est mon secret. Ah, flûte. Flûte. 5 amis, en vrai. Non, je pensais que t'en avais pas. Oh, Numap. Il n'a pas d'amis. J'aimerais bien devenir... Ouais. Ouais, un ami pour Numap. Wouhouhou. Merci. Ouais, enfin. Il va avoir un pote. Wouhou. On m'a évoué la peau. T'imagines, t'es chez toi, tu vois quelqu'un arriver comme ça. Avec cette dégaine. Je te dis, sors de chez moi, s'il te plaît, va-t'en. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas pour moi, ça. Enfin, un pote. Clippé. Oh purée. Toujours torse nu, bah bien sûr. Dommage qu'il n'y a pas les petites cocos, là. Futur couple, moi, je dis franchement. Grâce à vous, l'enfant, il serait gigantesque. C'est le cas, par contre, de fou. C'est titan, les trucs. Numap, c'est un titan, de toute façon. Putain, il a un pote, ça y est. Il a une pote. Ah, Taiko, il a un problème. Sa voix de canard, là, vraiment, il coin-coin, lui. Hein. Bonsoir. Tiens, mange des lasagnes. Attaque des Numap. C'est un peu marrant.
Non, il a pas monté son niveau, jure. On a pas mal de sous, on a 2000 hein, quand même. Ah, c'était pas ça son souci, merde. Attendez, je suis pas du tout réglé son problème. C'est quoi son souci? Vous pouvez bien me dire un truc quand je suis énervée. Bon, c'est ça en plus, je suis trop forte. Il va dire TG. TG. Je suis un titan. Terrible. Il sort le truc comme ça, lui. Zinzin. Tiens, Shaima, t'aimes pas un truc? Qu'est-ce qui va pas, Shaima? Bonsoir. J'aimerais bien changer de style d'appartement. Ok, Shaima, faut pas me dire deux fois. Bienvenue. Stade de foot. Bonne journée. Allez, Shaima, je te donne un super style. Des années 50, apparemment. Mais c'est plus années 70. 60-70. Dans Linux. Merci pour le nouvel intérieur. Il est très agréable. Oh, tu aimes bien la déco. Mon nouvel... Non, merci. J'en prendrai bien soin. Écoute, je pense que tu as des amis, oui. Je pense que tu as des amis, on va regarder. Tiens, je te donne un CD. Tu pourras mettre les super nunuches en boucle. Ah non, t'as juste le Winnie et tu la trouves pas très sympa. Je pensais que t'avais grave des potes chez Emma, mais pas du tout en fait. On nous a menti tout ce temps. Chaîne de mots toujours, c'est éclaté au sol. Y'a rien qui se passe ici. Y'a Yuneo quoi, vraiment. Ouais. Coup dur pour Shaima. Ah ouais, Mariana et Rock qui s'amusent bien en tout cas. Ça se voit, ils passent des bons moments. Avec un cheval d'écart. Est-ce que Mariana le trouve encore plus chiant maintenant qu'elle a passé du temps avec elle? Avec lui? Ou pas? Ils s'amusent comme des gosses? Né, tiens, maintenant, né. Est-ce que c'est, ça va mieux ou pas avec Rock? Non, il est toujours un peu pénible. Elle a grave des potes. Ça a écrit sur mon visage pendant mon sommeil. Oh, t'as un il truc. Il y a encore le prix. Enlevez-moi ça. Oupsie. Et voilà. Aksu a écrit sur son visage pendant son sommeil. C'est une vanne? Je veux voir. Mais y a rien là. Je m'entraîne à faire des grimaces. D'accord. Allez, zinzin. Révélation, Rock est une femme. Quoi? Comment ça? Maëvo qui veut jouer depuis qu'elle a un ami. Slash Numa. Oh, elle aussi n'avait pas d'amis. Vous avez des amis maintenant? Évidemment. Bon, allez, tire ta carte, là. Putain, ça y est, je gagne jamais. Dommage, revenez jouer avec moi une autre fois. Touche pif, moi aussi. Putain, elle m'a eu. Oh, Lolo, non. Lolo, t'avais un souci du type amical. Qu'en est-il? Bonsoir. Je pense que Lox a besoin d'une petite amie. Oh my god. Que pensez-vous de Lowini? Oh non. Allez, bonne idée. Très bien. Je vais donc les faire se rencontrer. Oh my god, Lox et Lowini. Lolo l'entremetteur. On rappelle, hein. Ah, Lowini, coucou. Tu vas sortir avec Lox? Peut-être. Pas sûr, pas sûr. Un futur couple. Lolo devant, là, on t'a capté. Hein. On sait que t'es toi. On sait que c'est toi. Non, c'est un péteur, vache. C'est Lolo qui a décidé, c'est pas contre moi qu'il faut... Ça a pas l'air de trop fonctionner, si, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se font un peu chier. Ouais, ça a pas marché. Merci pour aujourd'hui. Non, merci à toi. Ça a pas marché. Lolo! T'es cool de merde là! Je suis dégoûtée! Ça y est, Lowini, elle est intriguée maintenant! Et en plus, tu la mets! Putain, bah, c'est trop, Lolo! Bonsoir. Pourquoi Lolo a-t-il voulu que je sorte avec Lox? Pourquoi Yam voudrait-il que je sorte avec Lox?
C'est le destin. Vraiment, peut-être, après tout. Tout ça titille ma curiosité. Je vais pleurer. Je suis so sad. Tiens, Lowini, prends la pop. Tu pourras chanter de la K-pop comme ça. Lolo, l'entremetteur, mais mauvais quand même, hein. En plus, tu t'entends bien avec Locke. Vous êtes vraiment genre juste amis. C'est terrible ce qui vient de se passer. On aurait dû dire quelqu'un d'autre et mettre... Je sais pas qui, mais quelqu'un. Maria, j'espère, Zabou. On sauvegarde. Bon, tout la tienne de mots, ça dit wack. Oh putain, c'est une map. Avec des trésors. Avec des trésors. Certificat de natation. Mais vas-y, mais c'est trop lui. Éponge à récurrent. Rouge à lèvres. Spatule. Qui pense à ça? Je sais pas. Éponge loufa. Éponge loufa, mais c'est tellement précis. Horloge pontoise. Éponge à récurrent. Ah. Bah, elle l'a déjà dit. Déjà dit. Lunaire. Lunaire. C'est un critérium. C'est aléatoire complètement. Ça n'a aucun fucking sens. Genre vraiment. Bien le bonsoir. Annie Dingo, tiens, on l'a pas trop vue aujourd'hui. Est-ce qu'elle a des trucs à nous dire? Non, elle a rien à nous dire. Annie Dingo, elle en pense quoi de sa relation avec Dreamy? Oui, un bic, c'est pareil. Bah non, c'est pas un bic. C'est un critérium. Mais elle a grave des potes, Annie Dingo, regardez-la. Elle a grave d'amis, elle. C'est une zinzine, celle-là. Tiens, mange du pot au feu, Annie Dingo. Je sais pas, Luga, on peut regarder. Tenez, pour vous remercier. Oui, t'es mal à taille. Le stylet, mon truc. Est-ce que je vais me faire chier à avoir ça dans les mains alors que je peux avoir un truc vraiment plus grand et plus adéquat pour ma main? Ça n'a rien à voir la taille du truc. Mais non, t'es pas dans l'oubli, tu fais juste ta vie d'aloca comme on dit, regarde, hop, t'es à la tour d'observation, Luga. T'as rien, ton perso il est ennuyant. Tu te fais chier dans le jeu. Est-ce que t'as des potes? T'as même pas de potes. Tiens, je te donne du pot au feu, va, mon pauvre. Y'a des mi là, il y en a vraiment, vous faites pas d'efforts, allez là. Et y'a des amis les mi. Luca, tu fais partie des feignants, hein. Je sais pas combien j'en ai, Lilok, en vrai, j'en sais rien. Tiens, prends de la pop là, hop les. Aimez-vous, bordel, mais soyez potes un peu. Ah, oh my god. Piquez les amoureuses, à vous. Laurelia m'a dit qu'elle voulait être... Laurelia ? Bah oui, sois son amie. Je vais aller lui parler. Oui, Clarelia ! Trop mignonne. C'est ma presque voisine. Faut faire un recensement vraiment de fou. Clarelia. C'est terrible. Elle joue à Valo, je crois. Comme d'hab. Avec Tammy, c'est ça ? N'est-ce pas, Totam ? Hein, Tammy ? Voleuse ! Hier soir, on regardait Drag Race avec Linux et Clarelia. Clarelia nous dit, bah écoutez, je vais aller jouer. On s'entend vraiment bien. Que ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que Tammy m'avait envoyé un snap pour me dire qu'elle jouait avec Clarelia. Je dis, oh, voleuse de copines, on est en train de regarder Drag Race avec Clarelia. Tu nous as volé Clarelia. C'était terrible, bien ça. Newtona, je sais pas. On va regarder ça. Bah tiens, parfait, t'es là. Je non. Newtona. J'aime les compétitions, mais je n'aime pas perdre. Apparemment, je t'ai jamais parlé. Ça nous emmène en concert pour nous trahir comme ça. Bref, vraiment. Bref. C'est terrible. Cette voix, j'avais oublié. Carrément. Bon, t'as bien aimé. Tant mieux. Et si je t'habillais? Parfait. Vraiment tout à fait toi, Newtona, ça. Ne critique pas ma voix. Écoute, c'est pas la pire, hein, c'est pas la pire. Oh, vas-y, t'aimes rien. Vas-y, Newtona. Bref.
Est-ce qu'on n'a pas des problèmes à la casa, là? Si, on a un souci. Quel est le souci, Marvin? Y a pas à déjeuner comme ça, c'est pas l'heure. Je slay là, je slay. Je dois être un peu fatigué. Il a mal à la tête. Marvin, il est malade. Il a un gros rhume. Je suis compliqué à satisfaire. Bah, je vois ça, ouais. Je pense que ma fièvre s'est calmée. C'est une superbe musique. À peine marié, déjà des soucis, mais c'était son souci de rhume. Il a chopé un rhume au mariage, tu comprends. Bah en fait, Lilok, je t'explique comment j'ai recruté, entre guillemets, mes mises sur l'île. En général, j'ai pris des viewers qui sont là très régulièrement et qui passent pour les live Tomodachi. Pour être sûr d'avoir au minimum, tu vois, bah, de personnes qui se voient dans le jeu, tu vois. Tiens, Linux et Rouleau. Linux, tu veux un truc? Mais c'est la quand ce point de camp là? Ah bah, je ne sais pas, je ne sais pas. Je me fais du souci à propos de Rumia. Pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'elle m'aime vraiment? Est-ce que je crée un drama et je dis trois petits points? Oui, pitié. C'est ce que je crée aussi. J'ai créé des dramas un peu pénibles. Je vais les séparer. Vous n'êtes pas faites pour être ensemble, les filles. Séparation. Bonsoir. Oh, l'homme me trahit. J'aimerais bien changer de style d'appartement. Pas de soucis, Gatien. C'est vraiment de la merde, ton appartement steampunk. Me parlez plus. Merci pour ce nouvel intérieur. Non, Avo, toujours pas. Mais par contre, t'as failli, je crois. Voulez-vous jeter un œil à mon nouvel appartement? Attends, Avo, peut-être que si... Ok, super ton appart. Attends, Avo, il y a moyen. Je me rappelle plus, mais je crois que je sais plus qui t'a mis avec quelqu'un. Enfin, je sais plus, attends. Tenez. On va aller regarder. Je vais démissionner, on me regardera plus que Drag Race. Non, Linux! Ça me sabote. Mais non, Linux, je te sabote pas, je te sauve la vie! Je sais plus où t'es. Attends, tu sors. Non, tu sors avec personne. T'as grave de potes par contre, Avo, regarde ça. T'as grave de potes. Non, tu sors avec personne, c'est pas toi alors, j'ai rien dit. Bref, choqué. Bref. Linux. T'inquiète de regarder Drag Race deux fois s'il faut. Saucisse, non, saucisse. Pas saucisse de Cohen, t'imagines? Drama entre Rouleau et Linux. Ah, Linux, carrément. Pire en pire. C'est marrant parce que vraiment tous les moments phares de Tomodachi Life, vous les résumez en 2-2, genre ça me termine. Annie Dingo, propose-nous un couple, pitié. Bonsoir. J'aimerais bien de... Ok, avec Charline Noutnout. Ok, merci. Une amie pour Charline Noutnout. Linux doit-elle démissionner après la décision, après cette trahison? Non. Reste vaut mieux? Oui, évidemment. Linux, c'est pas une trahison, on te sauve. Roulia n'est pas faite pour toi. On t'aide à aller plus vite dans ta vie, à t'avancer. C'est fou ce sondage. Moi, je me sens trahie par ce type de sondage, mais bref. Bref, ouais. On se quitte pour mieux se retrouver, mais j'ai rien demandé. Merci beaucoup. Grâce à pauvre vous, Roulia. J'ai pu devenir son amie. On essaye de créer des problèmes. Merci pour le à boire. Tenir, je suis en train de pleurer, mais bon. Arrête les nucs, c'est pas vrai, dis-moi, quand même. C'est pas vrai. Tu pleures pas pour de vrai, quand même. On peut rester vous amis. Jouer avec c'est terrible. Moi j'ai mis non au sondage. On peut rester amis, pire phrase, vraiment. Vas-y, jouons. Épouse Dolly, s'il te plaît. Oh, j'aime pas ce jeu. J'y vais. Les nucs. C'est un secret, mais... j'ai entendu quelque chose d'étrange concernant l'île Brahma. Ah bon? Il paraîtrait que quand la nuit arrive, elle se met. D'accord. Mettre... merde, je l'ai pris en photo, je voulais pas. C'est grave, vrai, Gwen a dû me mettre en PLS, arrête! Arrête, Linux! Tu peux pas me faire ça! On est copines depuis trop longtemps! C'est pour vous? Je fais ça pour ton bien, Linux, j'essaie de t'aider! Putain, mais il est pote avec tout le monde lui aussi, c'est fou cette histoire! Et c'est les réalités vers Tomodachi, mais j'adore, Dylan, j'adore. Vas-y, Luga, on joue.
Quiz silhouette, question 1. Qu'est-ce mais que non, Linux, tu ne peux pas faire ça. C'est quoi ça? Mais j'en sais rien. Une mandarine. Une mandarine. Ouais, ça ressemble à une orange, ton question machin. Trabac midapète, vraiment. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, moi. La réponse est... profiteroles. Des profiteroles. Quiz silhouette, dernière question. Qu'est-ce que c'est? Une pomme d'amour. Est... une pomme. J'ai jamais mangé de pomme d'amour. C'est bon, les pommes d'amour, ou pas? J'en ai jamais mangé. J'annonce bravo que je reste, voilà. Waouh, j'ai eu peur, hein. Franchement, à un vote près, tu démissionnais, c'était terrible. Sculpture d'ours en bois, c'est quoi ces machins, là? J'aime pas, c'est écœurant, c'est vrai? Vous savez qu'au Québec, écœurant, ça veut dire que genre c'est super bon. C'est vraiment l'inverse chez nous. Bonjour, avez-vous des objets dont vous souhaitez vous débarrasser? Oui, mais pourquoi t'es un monsieur bizarre, toi? J'en ai 3 des boîtes de mouchoirs, ça y est, j'ai un stock d'avance ou quoi, là? C'est bon, mais sucré. J'en ai jamais mangé. 6 euros, c'est de la merde! Votre voyage nul, là. Panneau australien, ça c'est bien, 60. Putain, votre PQ, là. Il y en a des trucs à vendre, hein? Centimes de ticket de caisse. Ça, on fait des bonne trucs journée à vendre. Hein. Ouais, vas-y, dis-moi, Louga. Oh, attendez, on a 2 amis. Ah, me dis pas qu'ils se sont embrouillés. Non, Lolo. Lolo, attendez. Il va essayer de remettre Lox avec quelqu'un ou je sais pas quoi. Bonsoir. Je pense avoir un lien très fort avec Koé. Qu'en pensez-vous? Oui, oui, je suis d'accord. Certainement. J'en étais sûr. Ça veut dire quoi, Lolo? Ça veut dire que tu veux m'épouser encore plus? Je crois que oui. Ah, faux. Ah, faux, elle a un truc. Lolo, l'entremetteur. Lolo, vraiment l'entremetteur. Bonsoir à vous, Suzy de Coréen. Oh, la voix d'Afo, par contre, c'est une cata. J'aimerais bien devenir... Oui, vas-y, encore une amie de plus pour j'aimerais Zabou. Elle a 50 milliards d'amis, mais c'est pas grave. Son ami. J'aime pas l'amour, de toute façon. Ah ouais. Ah ouais, je comprends. J'ai jamais goûté les pommes d'amour non plus. Ouais, c'est plus du sucre en vrai. Pas sur diverses périodes, tu peux donner de l'argent de poche, ça. Ah oui, je sais, ça, Louga, je sais. Mais j'ai pas l'argent encore pour ça. T'inquiète, hein, je connais bien. Merci beaucoup. Ok, grâce à nous, tu as de nouveau un ami. Une amie. T'en as qu'une des potes, non, je crois. Ouais, j'ai joué beaucoup. Ah non, là, on a 2. Sophia, pas très sympa. Je suis désolée pour ça. Hein. C'est pas moi qui choisis. Hein. On va sauvegarder. On va aller voir Dreamy, parce que Dreamy, c'est pas un moment qu'on l'a pas vu. C'est terrible ce qui se passe dans ce jeu. Vraiment, je vous jure, je kiffe de fou. Je trouve ça tellement drôle. Dreamy, elle était par là. Hop. Qu'est-ce qu'elle a, Dreamy? Je suis trop sociale de fou, hein. Sociable. Sociale. Bonsoir. Mais Zabou, il y a vraiment un problème au niveau de votre amitié à toutes les deux. Hein. Tu veux une escalope panée, Dreamy? Tiens, mange un peu. Je l'ai appelée au travail, carrément. Pauvre Dreamy. Niveau 6, hein, on va regarder maintenant un peu les mi populaires, tiens. On va faire un petit tour sur les panneaux. Voyons donc. La forme générale. C'est la merde là pour tout le monde. Hein. Pourquoi tout le monde est mal comme ça? C'est terrible. Chirachou! Il est grave populaire, hein, regardez-le. C'est peut-être Chirachou qui a le plus de potes, peut-être. Et vous, Zabou, Lox, Dreamy? Purée, les plus populaires, c'est qui? C'est Lox, Annie Dingo, Arvandor et Tiga. Bah, c'est les mecs en couple. Bah non, Lox, il est pas du tout en couple, mais Lox, il est grave populaire. Hein. Et vous, elle est archi populaire aussi. Dreamy, Dolly, Roulia, Nefertz. Purée. Ouais, bon, on lui donne tellement de trucs random. Salut, Loon. Les stars, en fait, hein. Je voulais qu'on fasse quoi? Je voulais qu'on... On aille voir Chirachou. On va aller voir Chirachou. Pourquoi c'est une aussi grosse star?
pensais que Shirachou, il a grave de potes. Trop famous, c'est pour ça qu'elle m'aime pas, je pense. Quel plaisir de vous accueillir. Ouais, il a grave des amis. Mais il est grave sociable avec tout le monde en plus. Shirachou, il est trop gentil. Ça se voit, il est trop gentil. Tiens, mange des cacahuètes, Shirachou. J'espère que t'es pas allergique. T'imagines, il a l'air. Après tout ce qu'il a subi, le pauvre. Bah ouais, mais justement, c'est parce qu'on lui donne tellement de trucs qu'il devient mi préféré. On lui a tellement donné de trucs random, ce con. Le pauvre. Tiens, Shirachou, tu nous chanteras une balade. Si tu vois trop chanter une balade. Allez. Voli qui a un problème. Voli, tiens, d'ailleurs, il en est à où, lui, dans ses amis et tout. Bonsoir. Il connaît juste Yuneo, Voli. Ça fait 6 ans, il est là. Il connaît juste une seule personne. Je voudrais bien de la mozzarella. De la mozzarella. Moi, j'en ai. Il a une envie vraiment de mozzarella. D'accord. Merci de m'avoir aidé. Acceptez ceci en remerciement. D'accord. Mange autre chose. Mange du saltimbocca. Tomate, mozza ou rien. Vraiment juste la mozza comme ça. Non, merci. Un ami alors qui fait partie des débuts. Mais bien sûr, c'est vraiment random. Hein, je te jure, Newtona. Il a un seul pote. C'est Yuneo. Je vais lui donner la balade aussi. Je pense qu'il a pas assez chanté Voli dans les chansons. Salut Nouli, comment ça va? Comment vas-tu? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va jouer avec Clarelia. Merci Yo-Yo pour ton follow. Vous amusez avec moi. Ouais, c'est bon la mozza tout court, mais j'avoue. Il faut que bouffer l'Emi, ça me donne faim. Mais j'ai archi faim là aussi. Question. Allez, quiz zoom. Qu'est-ce que c'est? Cuillère en bois. Ça va, Nouli, merci. Mignonne la cuillère. Qu'est-ce que c'est? Un kiwi. La réponse est... un kiwi. Il est bien vert. Dernière question. Qu'est-ce que c'est? La réponse est... un bonbon à la menthe. Attends, mon jeu de délicieux, quoi, t'as trouvé le parmesan. Arrête. Arrête ça, Luca. Bravo. Arrête, Luga! Jamais mangé de la truffe en vrai, je sais pas ça quel coup. Oh non, il y a la boule à disco! Dommage. Avocat et plein de poulet. Oh my god, ça c'est bon. Tiens, Fluffy. Fluffy, pareil, elle a pas beaucoup de potes, je crois. Venez vous amuser avec moi. Elle a deux amis, miskin. Je veux me moucher. Enfin, je vais me moucher, j'arrive. Non, mais après, moi, la truffe, je veux bien goûter, hein. Mais payez-la moi, quoi. C'est parti. Deux amis, c'est mieux que zéro, je me fais la peine. Brocoli poulet, ça va en vrai. Ah non, elle a gagné. C'est bon en vrai, brocoli poulet, franchement, je trouve que c'est un bon banger. Venez avec moi une autre fois. Pas fan de truffe. Bah, je crois que j'ai mangé qu'une seule fois. Non, si j'en ai déjà mangé, je crois, mais c'était pas non plus. J'en ai marre de chasser ses lacans, tu comprends, Lolo, je comprends. Encore un point sur lequel on n'est pas d'accord. C'est bien, vaut mieux que la relation s'arrête. Bonsoir. Bonsoir, Jicanari. J'ai envie d'un nouveau chapeau. Pas de soucis. Non, je peux pas lui donner ça, la peau. Tiens, un chapeau de cow-boy, Jicanari. Ma saboteuse. C'est pas ce que tu penses. T'es le ying de mon yang. Oh putain. Du brocoli, ça a l'air fun. Ben laisse-le tranquille, en fait, il a une vie de quelqu'un de responsable. Il mange pas des gnocchis tous les jours. Bon, allez, sur ce, moi j'ai quand même la dalle là. J'ai trop faim, je pense que j'allais me faire à manger. On aura bien joué aujourd'hui, on aura eu deux mariages, hein. Et